Salut à vous. On se retrouve pour donc le cinquième épisode d'Ice Swap, l'acte 2. On s'était quitté en parlant assez bruit. Et ceci était une ellipse téléphonique parce que voilà. Parce que même en vidéo on me fait chier avec les téléphones. Hein. Bref. Donc je disais. On parle aux ébrus, c'était très drôle. Et maintenant, on va parler bah du coup à celle qui suit, c'est-à-dire bah, la personne suivante. Alors, les cheveux de cette fille sont rasés d'un côté. Peut-être qu'elle avait de la colle, enfin de la colle, un chewing-gum coincé dedans ou quelque chose. C'est vrai que Joey est de 94, il n'y avait pas beaucoup d'undercut à l'époque. Hein. Eh, c'est logique. Et toi là. Et vous me parlez hein. Quoi? Non, pas toi. La mignonne. Toi, la fille. Salut. Est-ce que vous allez dans le train pour la JV Quick? Sache pas quoi elle voulait faire. Est-ce que vous allez dans le train pour la JV Quick? Eh oui. Alors assurément vous en voulez quelques-uns. Regardez là. C'est quoi ça? Attends. C'est ce sera un voyage très long et je sais que Niche taille. T'as l'ordre. Ah oui, gagné. Chetaille, c'est quoi déjà exactement? Je ne me souviens plus. Je crois que c'est un rapport avec. Enfin, pour moi, ça ressemble à une fenêtre, donc. Un hublot. Enfin, ça ressemble à un œil de bœuf, mais je pense que c'est pas ça! Enfin, attendez, je cherche. Je fouille toutes mes sources. Alors, chetaille. Il y a encore Mr. Vince à la radio là. Alors les chetailles. Ah oui, petit somme. Là ça peut être. Ah oui, d'accord. Prendre un peu de repos dans les trains, donc de cerçant, ça peut être. C'est un peu la merde. Et prends deux de ces bad girls. Bien, prenez deux de ces. Prenez ces deux trucs et vous en sortirez d'un clin d'œil. Ça demande juste 300 crédits pour les deux. ce que j'ai l'air d'une vendeuse de charité. Chacun. Merci pour l'offre, mais je sens qu'on aura besoin. Ah, t'es plus une fille qui veut la fête. Ah, des pills. Ah, merde, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est vraiment des pilules, quoi, c'est... Elle lui donne des somnifères, je crois qu'elle prend des tickets. Non, c'est pas la même chose. Ah, si tu veux te la donner grave, et venir avec la bande des 100 €, j'ai des pilules pour ça aussi. Regarde-moi ça. Là, on est l'une des DC2. Et des petites vicieuses, vont. On te met tellement la forme que tu voudras même pas dormir. Hein. Tu vas t'en jaillir d'un crépuscule à l'autre. Enfin, d'une aube à l'autre, plutôt. Est-ce que c'est gassé, c'est aube. D'une aube. Mon dieu. Mais t'es... Elle dure, t'es devenue juste... une dileuse. Mais t'es une dileuse. Oh putain. La merde, c'est devenu... Un problème avec ça. C'est juste que non, pas les drogues, c'est pas mon truc. Moi, personnellement, enfin. Oh, c'est cool. Mais si tu changes d'avis et que t'es dans le besoin, fais-moi savoir. Putain, j'ai plein de trucs à vendre. C'est quoi le problème? C'est juste que. Enfin, désolé, tu vois. Bref. J'ai.
C'est juste à dire des trucs comme ça. Bon, bon, allez. C'est pas comme si c'était un autre truc. Allez. Enfin, c'est bon, je m'en fous. Allez, au revoir. T'es trop mignonne. Bon. Ouais, fait, merci. Hein. C'est quoi ton nom? Mon nom? Ouais, voilà le truc qui te désigne, quoi. Ah, c'est Joey Claire. Ton nom mignon aussi. Merci. C'est quoi ton nom? Mon nom? Ouais. Thank you, cool. J'ai un des noms différents pour Every Shadow in After. Ruxels? Scalpre? Mais toi, tu peux m'appeler Lourdes. Gaegre. Lourdes. Ah, ok, d'accord. Merci de te rencontrer, Lourdes. Joey, tu vas bien? T'as l'air de changer de couleur. Oui, tout va bien. Ok, d'accord, c'était le moment le plus gênant de ma vie. J'ai traduit sa run en plus sur Francie, mais... Il me semblait pas qu'elle dealait de la drogue. Mais bon... Bon, cette personne sera plus sympathique, je pense. Ce qui est rigolo, c'est que dans Friend Sim, son sprite me faisait exactement penser à jouer. Alors, du coup, cette fille a l'air nerveuse. Vous aimez bien ses habits, par contre. Allez, Chixi. Oh la vache. Oh la gueule à la tête. Ah, c'est affreux. Les acoustiques sont si mauvaises ici. Ça dérange avec mon pitch. Enfin, je sais plus comment on dit exactement pitch, ça veut dire sa hauteur. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu d'écho, quoi. Non, mais je déconne, mon pitch est parfait, hein. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Je suis joué, ça va être Zephros. Salut! Moi, c'est Chixi Roixmire. Roymer, je crois que c'est plutôt Roymer. Merci, super de... Enchanté de te rencontrer, Chixi. Ajoute-moi sur Cheater si tu veux. Cheater plutôt. J'ai quelques démos là-dessus. Oh, super, je vais voir. Est-ce que tu vas à la GV Quick? Ouais, c'est là où tout le monde va aujourd'hui, quoi. Et opening, c'est... Quoi, vraiment? Enfin, opening. Ouais, elle fait son spectacle, quoi. Eh oui. Ah oui, non, oui, voilà. Elle fait l'ouverture, quoi. Elle fait l'ouverture, voilà. Je fais l'ouverture. Ah, ça a l'air toujours pas vraiment réel, enfin, je veux dire. Je suis l'un des 20 actes d'ouverture, mais c'est pas vraiment le plus gros truc. Ouais, mais c'est super cool. Enfin non, mais c'est super cool. Et d'un mec, il serait super jaloux s'il était là. D'un mec? Ouais, t'inquiète pas ce sujet. J'espère bien te voir là-bas, Chixi. Et non, on va voir l'homme. Ah, c'est divin, l'alien le plus grand que vous avez vu. À moins de compter les lusies, ce que vous faites pas. Enfin, vous ne compareriez jamais un homme, enfin un grand homme ou une girafe, quoi. Bah, tu vois, ce mec, il est pas très grand. Ah, ça serait quand même bizarre. Allez. En plus, il parle de manière chelou. Putain, c'est vrai. En plus, d'ailleurs, j'ai réservé sa run pour l'introduire, en fait. Joey, attends! Quoi? Tu peux pas juste aller parler à un... Un sang mauve? Je crois que c'est... Non, c'est pas mauve, c'est un sang violet, voilà. Un sang violet, bah oui, non, mais c'est l'autre mauve, c'est... Bref. C'est compliqué. Bon, un sang purple, voilà, un sang pour. Et encore plus, bah lui! Hein? Quoi? Pourquoi? Mais... Ah! T'es un alien, donc tu connais pas, mais... Crois-moi, les clowns, c'est pas la joie, hein. Non, on dirait un gros beauf. On dirait un compagnard. Merde, on dirait un énorme beauf. Eh, petit gars. Eh, je peux vous entendre, hein. Pire voix. Pire voix pour Marvus, hein. Vous m'entendre chuchoter là-bas. Eh non, mais je mords pas. Et vous savez, hein, allez, à bouler. Regarde, Zephros, tout va bien, tout va bien. Bonjour, je suis Joey, tu as l'air intéressant, c'est quoi ton nom? Intéressant, hein. Attends, j'ai pensé que
Vous y des fans. Des fans? Voyons que tu... Et vous... Vous voyez pas... Vous regardez pas... l'émission, là. C'est la mode Garcule. Enfin... N'oubliez surtout pas les paroles. Ça me fait rire. Dans votre... Dans votre quartier, oui. J'ai aucune idée de qui tu es, désolé. Allez, c'est bon, on va des yeux, hein. Ah, c'est quand même, c'est quoi, c'est bon. C'est le change of pace. Ça me dérange pas, quoi. Je suis en vacances. J'aime bien les foules les foules en chaleur, mais les foules en chaleur. C'est très bizarre dit comme ça, mais j'ai la flemme de chercher un autre terme. C'est tout, mais bon, des fois, j'ai juste besoin de... Mais tout ça, tu comprends? Est-ce que t'es censé être une célébrité ou quelque chose? Ouais, c'est vrai, tu peux dire ça. Mais je suis... Mais ça plaît beaucoup d'être juste un petit gars pour toi, hein, Joey. Moi, je m'appelle Marvus. Hihi. Enchanté de te rencontrer, Marvus. Est-ce que tu vas à la partie, à la fête de Krier? Ouais, j'ai une petite fête là-bas. Une gigue. Le problème, c'est que je pense à la gigue. Je vais faire la gigue du cul. Non. Il va faire juste une teuf. Hein. Cool, et moi et mon ami Zephros, bah on y va aussi. Peut-être qu'on se verra dans le train. Oh, je suis sûr. Ok, bah... Voilà, j'ai des tickets, on te voit plus tard. Zephros, est-ce que tu vas bien? T'as l'air un peu... Alors... Non mais je vais bien dans une quelques minutes, mais là je suis un peu secoué, quoi. Quoi? Pourquoi? Alors, tu... Alors, tu viens à peine de parler, hein? Un sang pourpre. On est chanceux d'avoir encore nos têtes. Mais quoi tu parles? Marvus, ça a l'air d'être super sympa. Mais c'est un clown! Oui, t'as des préjugés contre les clowns, je comprends pas. Y'a aucun moyen d'expliquer ça pour moi. C'est juste que... Y'a aucun moyen pour moi d'expliquer ça, c'est juste que... Ils ont cette culture. Culture? Une culture d'être des clowns? Oui. Et ils alors les meurtres et blessent des gens. Et surtout, ils aiment bien faire très mal et des gros meurtres sur des gens comme moi. Je sais pas quoi trop dire. Hein. Enfin, c'est de là que t'as cette sorte de trauma des clowns. Que j'ai apparemment déclenché sans aider sens. Et elle a l'air de tuer personne en ce moment, et elle a l'air super sympa au vu de la conversion qu'on vient juste d'avoir avec lui, où personne n'a été tué. Donc peut-être qu'on peut se relâcher un peu pas pour ça. Enfin bref. Allez, faisons autre chose. Alors du coup... Alors encore un portail... l'allure de science-fiction. Donc vous allez avoir un ticket de science-fiction pour passer, quoi. De pas juste... C'est un crime, oui. Ton existence entière est un crime. Donc j'ai envie de dire... Attends, c'est quoi, là? Dégage de là. Dégage de là, Zephros. J'ai hâte de voir un truc. Ah, bah non, pas là. Ah bah non. Il y a des trucs, là, c'est quoi, ça? Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, je vais faire des claquettes d'œuvre. D'accord, très bien. Tout le monde s'en branle. Attendez. je peux pas faire une danse devant Zébruchu. Alors, du coup, où est-ce qu'il faut que j'aille? Ah oui, il y a les machines qui sont toujours complètement pétées dans 2 heures, hein. Est-ce que tu vends des tickets par hasard? Ok, on sait que t'es un mec
Avec ouais. Attends, c'est quoi? J'ai oublié la voix que j'ai fait déjà, putain. Yeah, ouais. Ouais, mais... Quelqu'un doit le faire, hein. Oui, super. Je sais où est-ce qu'on pourrait avoir des tickets si la machine à tickets est cassée. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? J'ai oublié sa voix, hein. Mais je sais pas, je pose juste une question, putain, déjà en train de s'énerver. Non, mais moi aussi, je pose une question, hein. Moi, je suis... t'as occupé. Occupé, pas vrai? Eh ouais. T'as eu, t'as rien. T'as le bon résultat. Bon, bah... Est-ce que tu peux nous... nous vendre tes tickets? Ou nous le vendre, enfin... Joey, on n'a pas d'argent. C'est pas ça. Écoute, bébé. Ok, ok, bébé. Je sais pas ce que ce que j'ai besoin de te dire pour te faire, enfin, que je viens de faire pour que tu lises mes lèvres quand je te dis que j'ai absolument aucun intérêt à vous parler. J'ai aucune idée de quelle couleur à la con dans tes veines, mais c'est une sang bronze. Ça c'est plus évident. Je peux pas voir. Quoi? Je peux rien voir plus chaud que c'est juste là que la couleur jade, c'est juste de la merde pour moi. Ah, tu vois que t'es daltonien? Je suppose, alors quoi? Une mutation? Non. Écoutez, tu penses à qui tu parles? Y'a aucune anormale à propos de mon sang. C'est plus court l'accent. Être quoi, être daltonien ici? Pas connaître la couleur de quelqu'un. Hein? Mais alors, comment tu sais, comment tu le traitais? Ouais, on se casse! Il est chiant pour le roi. Est-ce que t'as des tickets? Hey, Fraser! Salut! Attends, putain, j'oublie la voix que je veux dans le personnage sur rue. Salut, mes fiers et compagnons du de sang. Quelle est la bonne parole que vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous a à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est ridicule. C'est juste que... Okay, hier de bon. Ouais, alors, c'est plutôt qu'est-ce qu'on a à dire de mauvais. C'est d'avoir on a essayé d'aller dans le train, mais la machine à ticket, elle s'est cassée. Ah. C'est un fort, c'est malheureux. Mais il y a d'autres manières d'obtenir un ticket si vous avez vraiment si envie. Il était où ton ticket? Eh bien, j'étais en retard. Il y a un perturbateur du sol chez moi qui est en train de creuser une tranchée pour nourrir le sol. Pour nourrir le sol son... Ah oui, pour nourrir le sol de son dernier gramme de peau. Charles Brever. Jupiter après Sate. Je comprends vraiment pas ce qu'il dit, hein, ouais. Voilà, j'ai soufflé un petit peu, j'ai... J'ai pris ma ventoline. J'ai pris une pause pour ça. Pour apprécier ça. Ah là là. La touche glorieuse des lunes jumelles. Et je me suis baissé pour ramasser une brochure qui est toute délavée sur un peu de terre. Qui appelait tous les trolls craignant l'héritière à un festival. Oui. Donc t'as trouvé une brochure pour la JV Quick dans la terre et tu as décidé de venir? Quand le destin parle, Fuzzer écoute. Et comment t'as eu un ticket de train? Tu l'as trouvé dans la terre? Quoi? Oh, non. Je l'ai acheté sur internet.
Ouais. Ah mais du coup, ah du coup on est à Chixis, trop bien. Alors attends. D'ailleurs c'est qui ça? Je sais pas, Listy, je sais pas. Ah, signe faut. Ah, sur sa newsletter, il faut la follow pour les dates des concerts. J'ai gagné, on a gagné, j'ai vu quick, je vous vois là-bas. On peut pas la regarder son compte à elle. Bon bref. Moi je t'ai dit ticket. Est-ce que t'as utilisé la machine pour un ticket? Oui. Ah bah ça marche pas maintenant. Évidemment ça va. Évidemment ça marchait avant. Qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous vouliez foutu? Rien. Est-ce que t'as une idée du type des cons pour avoir un ticket à part de la machine? Est-ce que j'ai l'air d'une maîtresse des tickets? Est-ce qu'on peut avoir des tickets là? D'accord, très bien. Est-ce que je peux pas lui donner à bouffer? Est-ce que je peux pas lui donner des épices? Vas-y, je te la soigne. Oh, attendez. Non mais là, je suis vraiment paumé, hein. Ah bah, je connais pas le jeu, hein. Attends, est-ce que je peux pas donner... ne pas donner à manger aux animaux. Tu veux pas bouffer? Tiens, regarde, c'est un pigeon. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dégueulasse. Mais attends. On peut pas toucher à ça ici? Attends, ouais. Tu veux un pigeon? Hé, hey, Barbus. Salut, Joe. Hihi. Joe? Ouais, t'aimes pas les surnoms? Oh non, c'est... Ça va. Oh, en fait, je l'aime. Tu peux m'appeler Joe si tu veux. Et cool. Et alors, t'es qui, Bayo? Oh, la voix. Ah, c'est... Je me demandais si... si je me demandais si tu savais où on pourrait avoir des tickets. Dans la machine à tickets, je veux dire. Dans le mec qui a l'air un peu... qui est pété. Ah, désolé. Désolé, j'ai eu tous mes tickets de... La dame poisson. Elle-même. Mais je pense pas que j'ai des... J'ai des, comment s'appelle, des... Oh, des gens que je connais qui viendront, arriveront à temps pour vous aider à avoir le prochain train. Oh, bien, merci quand même. Hé, hey, redresse la tête, Joe. Et je pense que tu arriveras à arriver à bord d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce que tu veux pas voir mon pigeon? D'accord. Tu veux voir mon pigeon? Ah, est-ce qu'elle chante? Putain de merde. Eh, on essaie d'avoir des tickets, mais on essaie d'aller dans le train, mais la machine à tickets, elle est un peu pétée. Est-ce que tu sais qu'il y a un autre moyen d'avoir des tickets? Oh, mais je me suis activé, j'ai gagné mon ticket, mais je m'inquiéterai pas. J'ai vu quick, c'est pas vraiment un grand événement. Alors, je pense pas vraiment que c'est vrai, enfin, c'est genre la plus grande fête de l'année, quoi. Ouais, mais je veux dire, quelque chose comme moi. Enfin, je jouerai, mais... Donc ma carrière, elle dépend de ça, mais... des gens comme vous, les gars, vous avez pas besoin d'être là. Bah, c'est ouvert au public, donc, non? Ouais, oui, bien sûr, mais écoute, ça peut devenir un peu intense. Intense? De quoi tu parles? Oh, rien, mais tu sais jamais qu'est-ce qui pourrait se passer quand il y a plusieurs castes toutes mélangées comme ça. Bon, je voulais parler. Salut. Alors, t'as changé d'avis? Non. C'est comme une fille, hein. J'ai fait sa forte tête. Oh, non, j'ai besoin de quelque chose, effectivement. Pas de drogue. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a besoin de tickets pour le train. La machine à tickets, elle est là-bas, tu sais, alors... Non, oui, non, mais c'est une machine, elle est pétée. Ah bon? Tu l'as pétée? Non. Oui, je... Ah, putain de merde! Mais non, mais pourquoi tu... Un petit criminel, sur demain.
Excellent, je sais pas comment réexpliquer. Ah. Mais finalement, tu comprends pas grand chose. Alors, tes tickets. Combien? Alors. Mais je suis. Tickets, s'ils sont faux. Oh. Pas cette tête. Je veux que de la qualité. Un associé, elle les a créés. Une associée, elle les a créés. C'est ce qu'elle fait, c'est top tier. Attends, c'est qui? Je pourrais vous les donner les deux, mais. Si tu me tiens un vrai ticket. Les tickets, alors pourquoi tu les utilises pas toi-même? Parce que si je les ai eus, alors vous, nous non plus. Gift, ouf, piste. Ça, c'est un cheval, ça. Est-ce que dans le juste, t'as jamais appris qu'il fallait pas. Non, même la vraie expression, j'ai du mal à voir ce qu'elle veut dire. Un échange est un échange. Un vrai ticket pour deux faux de vraie qualité. C'est un bon deal. Et bah, nique ta mère. Bon, je sais pas où je dois aller. Oui, évidemment, ça va pas marcher. Alors, ça arrive, y a pas de parking, tiens, y a pas de voiture ici, enfin. Bon, enfin, c'est sûrement du sens, étant donné qu'il y a, des adolescents qui font le planète. Mais comment est-ce que je. Yeah. Bon. Enfin, je me doute qu'il faut utiliser, mais. Je peux pas utiliser. Je sais même pas comment faire comme pour attaquer quelque chose de manière psychique. Je peux pas, genre, chanter avec Shixi. Attends, on va chanter à lui. Tu fais ton meilleur rap, mais c'est pas bon. Ouais. Y'a aucune chance qu'il voudrait cette merde de micro. Il vous égradiquerait sûrement pour ça. Je suis vraiment perdu, hein. Bon. Vous êtes pas fait pour le travail de précision. C'est vrai qu'il y a pas mal de sang, de noble sang par là. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire, bordel? Alors, attends, est-ce qu'elle est connue? Alors, cette sang olive. Elle a pris tellement de livres et de romans qu'elle a. Et le besoin de s'en débarrasser dans une. Dans une librairie, une vraie librairie, quoi. Ah, et bah. C'est vrai que ça a quand même bien, hein. Bah, vous demandez si elle fait assez d'argent pour s'acheter une. Son assignement, enfin. Ce qu'elle va faire en dehors de la planète, quoi. Voilà, y a plein de trucs que vous pouvez pas vous payer, quoi. Bon, en vrai, on va se laisser là. Parce que je sais vraiment pas quoi faire pour le moment, donc au prochain épisode on va tricher. Donc je vous dis au revoir, donc salut. J'ai trois fois salut.